Que Dieu bénisse celui qui a composé cette chanson. Amen. Amen. Je le crois ce matin. Amen. Quand le Saint entreront, moi je serai dans ce nom. Toi aussi. Oui, Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Jina ya Mungu ibarikiwe. Sifa kwa jina lake. Wakati tuko kuimba tuchukueni Biblia zetu. Nous allons prendre Exode chapitre 5. Tachukua kitabu cha Kutoka sura yake ya 5. Verset 1 jusqu'à 2. Mustari ya kwanza paka ya pili. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Kisha Musa na Aruni wakaenda mbele Pharaoni. Et lui dit, na wakamwelezea, ainsi parle l'Éternel, hivi wa milele anasema, le Dieu d'Israël, ule Mungu wa Israeli, laisse aller mon peuple. Acha taifa yangu yende, pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Ili washereleke mujangwa karamu kwa heshima yangu. Pharaon répondit. Pharaon akajibu. Qui est l'Éternel? Wa milele ni nani? Pour que j'obéisse à sa voix. Ili mie niti kusauti yake. En faisant aller Israël. Mukwachilia Israël yende. En laissant aller Israël. Mukwachilia Israël yende. Je ne connais point l'Éternel. Si tu m'as et je ne laisserai point aller Israël. Nasita chilia kamwe Israeli yende. Prions le Seigneur. Tombe Bwana. L'amour de Dieu est merveilleux. Leurs oreilles afin de recevoir et de comprendre cette parole. Quand tu
bénira le saint partout où ils sont réunis au monde. Commençant par Branham Tabernacle, souviens-toi de nous ici à Fellowship Tabernacle. Sois notre Dieu et que nous soyons tes enfants. Nous croyons, Père, que ce matin sera un matin mémorial. Chacun recevra de toi quelque chose qui va s'augmenter sur sa foi pendant notre pèlerinage sur la terre. Bénis l'ange de cette église. Il se trouve à cette heure, notre précieux pasteur, racheté au Meunga. Tenez-le, Seigneur. Sois avec lui. Oh Dieu, il sera aussi à ton service ce matin à Kisangani. Nous croyons que tu seras pour lui un père et il sera toujours un fils. Bénis toute l'équipe qui travaille avec lui. Bénis le musicien. Bénis chaque fille et fils de Dieu. Je remets chacun à toi, Seigneur. Même ceux qui sont voyagés, sont dans des destinations par-ci, par-là. Prends soin d'eux, Seigneur. Oh, Père Céleste, le diacre Guilain, qui est en voyage, bénis-les jusqu'à son retour. Le frère Augustin, qui séjourne à Chloé et les autres, même le directeur des chats, à Kinshasa, prends soin de lui. J'abandonne chacun, même si je ne connais pas les noms, mais toi, Dieu, tu les connais. Bénis chacun d'eux. Prends soin de nous, même s'il y a des visiteurs ce matin, bénis-les aussi, Père. Nous voulons s'abandonner à toi. Nous voulons nous attendre à toi, que tu puisses prendre la prédominance de cette réunion. Que l'ange du Seigneur, la puissance vivante, commence du haut de la chair jusqu'au dernier banc, se mouvaille parmi les enfants de Dieu. Toute puissance du malin, portez quelle puissance qu'il confesse pas le nom de Jésus-Christ. Qui pouvait nous suivre dans cet endroit, Satan et ses anges, nous les repoussons dans ces lieux et nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Sois béni à jamais, reçois la gloire, toi l'honneur et à toi les acclamations, parce que tu le mérites. Bénis la réunion du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Namio Bamketi. Je pense que chacun se porte à merveille ce matin. Nafikiri ya kwamba kila mmoja anasikia mzuri asubuhi ya leo. Vous vous sentez bien? Nasikia mzuri. Vous êtes prêts pour recevoir la parole? Uko tayari kwa ajili ya kupokea neno? Que Dieu soit béni à jamais. Mungu abarikiwe kwa makarne. Est-ce que Dieu nous a béni la semaine? Eti katika wiki Mungu atubariki. Est-ce que Dieu t'a béni la semaine? Eti mwiki Mungu akubariki. Amen. Amina. Je comprends. Naelewa. Que les mains qui sont levées, mikono ile ilipanda. Sont les mains qui étaient pendant la semaine. Mikono ya wale walikuwa katikati ya wiki. Est-ce que tu n'étais pas la semaine? Wewe vile ukwe mwiki. Tu ne peux pas lever la main. Awezi kunyoa mkono. Parce que là, nous avions parlé. Ju katika wiki tulizungumzia. Frère Bordel, où es-tu fou? Ndugu Bordel, uko wapi? Dieu, Mungu, est en train de délivrer son peuple. Eko akikomboa taifa yake. Amen. Amina. Oh, c'était merveilleux. Eh, ilikuwa ya matajabu. La semaine a été tellement bénie. Wiki ilikuwa wiki ya baraka kabisa. Et Dieu nous bénira encore ce matin. Na Mungu atatubariki tena asubuhi ya leo. Hier, nous avons connu un très bon week-end. Yana tulipata wiki kuisha kwa wiki nzuri. J'étais chez le diacre Guilain et maman Esther. Nilikuwa kwa shemasi Guilain na mama Esther. Avec mon équipe qui m'avait accompagné. Na kikundi yangu ile ilinipeleka. On a connu vraiment un très bon moment. Tulipata wakati nzuri kabisa. Qui reste mémorial. Inabakia wakati ya ukumbusho kabisa. Un agape extraordinaire. Alafu ilikuwa mkutano mmoja wa matajabu zaidi. Depuis que j'ai mangé hier et jusqu'à présent, tangia, j'ai pas encore mangé. Tangia pa nilikula kwake jana na hapa sasa sijakula tena. Ah, c'était vraiment merveilleux. Ilikuwa ya mastajabu zaidi. Que Dieu bénisse maman Esther. Mungu abariki maman Esther. Elle a arrangé la table comme la table royale. Alitayarisha meza kabisa. La table royale. Kwa namna ya kimufalme. Je pensais que Esther arrangeait pour Asterius. Nilikuwa nafikiri Esther alikuwa anatayarishia Asterius ni mambo gani? Ah, c'était merveilleux. Hey, ilikuwa ni ya matajabu. Maman m'avait fait
une salade là. Mama alinitayarishia salad moja sijawahi kula. Je pensais que j'étais à l'étranger. Nilikuwa nawazia sema nilikuwa mwinchi ya kigeni. Mungu amubariki zaidi. Amen. Amina. Quand on fait quelque chose de bien, wakati unafanya kitu ya mzuri, bariki Mungu kwa ajili ya ile. Favola joie, il ne faut pas haïr ça. Napasha kuwa na furaha, ipasha kuchukia ile. Amen. Amina. Oh, c'était merveilleux. Eh, ilikuwa ya mastajabu. J'étais avec mon secrétaire, Mr. Meshak. Na msaidizi wangu ndugu Meshak. Et mon ami personnel. Na rafiki yangu wa kipekee kabisa. Frère John. Ndugu John Cash. Eh. Na Frère Junior. Ndugu Junior. Et encore mon meilleur ami. Tena na rafiki yangu mwingine wa kuzuri kabisa, ndugu Isaac. Qui est avec moi même jusqu'à 22h. Et nous sommes toujours avec lui ensemble. Je vois aussi le frère Jacques. Makila. Ndugu Jacques Makila. Dieu bénisse. Mungu akubariki. Si je ne connais pas votre nom. Kama jina yako siyue. Niwe razi. Sana yeba kambe na tangi. Kama niliwa jina yako na wewe nilifia kuitai. Ah? Jacques John Chimanga. Dieu bénisse. Na ndugu John Chimanga kule Shemasi. Mungu akubariki. Dieu bénisse aussi le président. Mungu abariki pia raisi. Amen. Amina. Fais tout que je connaisse ton nom. Fanya yote nijue jina yako. Pour que je te cite ma prochaine. Ili wiki ijayo na wewe nikutai. Il y avait la sœur Anastasie qui m'avait. Dada Anastasie. Appelé hier que Dieu te bénisse. Anita jana Dada Anastasie Bushiri Mungu akubariki. Elle a dit au frère Meshak. Aliza ndugu Meshak. Je veux ne fils que écouter la voix du pasteur. Mina penda nisikie tu sauti ya mchungaji. Fais tout que je l'écoute. Fanya yote nisikie sauti yake. Alors je te ravi de ça. Alafu nilifurahi kabisa kwa ajili ya ile. Mungu akubariki dada yangu. Amen. Amina. Que Dieu bénisse maman Brali. Mungu akubariki mama. Ukimingae. Na kimbia. Le frère Branly m'avait appelé aussi. Ndugu Branly na alinita. Il est à Kinshasa, il m'avait demandé de vous saluer. Kinshasa aliniomba nimsalimie. Amen. Amina. Avec le pasteur Isaïe. Beko pamoja na mchungaji Isaïe alinita. Ils étaient ensemble. Walikuwa pamoja. Konsa le pasteur Isaïe. Nafikiri mnamjua mchungaji Isaïe. Alors il m'a demandé de vous saluer. Naomba nimsalimie. Vous acceptez sa salutation? Unapokea masalamu yake? Ah, parce qu'il va voir ça en ligne. Kwani atayona kumtandao? Il faut qu'il attende que sa salutation est arrivée. Inapasha sikia kwamba salamu ilifika. Que le nom de Dieu soit béni. Jina ya Mungu ibarikiwe. Je vous souhaite bon appétit. Nami karibisha kumeza. Salut ton frère. Lamkia jirani wako. Dili bon appétit. Mweleze karibu kumeza. Bon karibu kumeza. Je vais parler ce matin sur le troisième point. Asubia leo tasema kwa ajili ya ile nukta ya tatu. Nous sommes dans l'enseignement sur l'Exode. Tuko katika mafundisho ya kutoka. On a parlé. Tulisemea. Premier point, j'ai vu la souffrance de mon père. Nukta ya kwanza niliona mateso ya taifa yangu. Je suis descendu. Ni nachuka. Pour les délivrer. Kwa ajili ya kubakomboa. Nous avons parlé deuxième point. Tulisemea kwa ajili ya nukta ya pili. Trois puissances. Ile mauwezo tatu. Qui accompagne l'Exode. Yenye inashindikiza kutoka. Je pense que cela vous a béni. Ile ilinibariki. Il y a la puissance de Satan. Kuna uwezo wa shetani. La puissance de la foi. Kuna uwezo wa imani. Et la puissance de Dieu. Tena kuna uwezo ya Mungu. C'est les trois puissances. Ile mauwezo tatu. Qui se manifeste. Inaonekanaka. Dans l'Exode. Mukutoka. Et nous avons vu. Na tuliona. Que Satan. Shetani. Sa puissance est limitée à la mort. Uwezo yake inashimamia tu kulufu. À la rivière. Kumuto. Na yai ni puissance. Lakini kuna uwezo ingine. Qui vient au-delà de ça. Ile inakuya inapita ile. C'est la puissance de la foi. Uwezo ya imani. Et la puissance de la foi. Uwezo wa imani. Voit le Dieu de la résurrection. Inamuonaka ule Mungu wa ufufuko. Amen. Amina. Ça amène le peuple. Inapeleka taifa. À croire à la promesse. Amini kumalako. Amen. Amina. La troisième puissance. Na ile uwezo ya tatu. La puissance de Dieu. Ni uwezo ya Mungu. Quand Dieu voit que le peuple croit à la promesse. Wanaona ya kwamba taifa inaamini kumalako. Dieu mène vient. Mungu sasa anakuja. Pour le délivrer. Kwa ajili ya kukomboa taifa hili. Avec sa puissance. Alafu ni ile uwezo. C'est la puissance qui fait que ce matin. Inafanya kwamba asubuhi ya leo. Nous soyons ici. Tupate kuya hapa. Amen. Amen. La puissance qui nous protège. Joie le uwezo unatulinda. La puissance qui nous garde. Joie le uwezo unatuchunga. La puissance qui nous maintient. Joie le uwezo unatuchunga wazina. Si cette puissance s'élève, inatoka. Satan nous aura. Shetani atatulumbata.
c'était merveilleux. Na il croirait ma diabou. Et aujourd'hui, na Léo, le troisième point, il est nukta ya tatu, se laisse aller mon peuple. Ni acha taifa yangu itoke yende. Parce que Pharaon ne voulait pas. Kwani Pharaon kwa napenda libérer le peuple. Wachilia taifa. Malgré il a vu la puissance de Dieu. Na ile uwezo ya Mungu. Dieu a frappé le pays. Walipika ile nchi. Il a manifesté tout. Alionekanisha vyote. Pharaon ne voulait pas. Lakini Pharaon ya kwa napenda. Dieu a envoyé Moïse. Mungu alimtuma Moïse. Nous avons libre un homme. La demander la séparation. Alilomba ile utenganisho.
mwisho kabisa. Ceux qui sont mal propres. Na yote na kwa buchafu. Si vous n'avez pas des amis. Kama una na barafiki. Nous avons libre amis. Abraham Dieu nous a donné des amis. Mungu alitupatia barafiki. Des associés. Basaidizi. Amen. Amina. Ils sont ici. Beko hapa. Quittez les gens malpropres. Mwache warafiki wabaya. Abandonnez le monde. Mwache dunia. Séparez-vous. Mutitenganishe nayo. Prenez la parole de Dieu. Uchukue neno ya Mungu. À la première position. Mwitie pafasi ya kwanza. Entrez dans l'exode. Mwingie mkutoka. Ce n'est pas l'exode d'un homme. Haiko kutoka kwa mtu. L'exode de Dieu lui-même. Kwa Mungu ye peke. Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne peut pas appeler un homme pour l'abandonner à la route. Wakati Mungu anakuita atakupeleka paka na kumwisho. L'exode kutoka c'est l'église. Ni kanisa. Se séparer. Ni kujitenganisha. Chose. Na mabitu ya buchafu. Tous ceux qui n'honorent pas Dieu. Na yote bila biheshimie Mungu. Les vêtements sexy. Mavazi ya buchafu. Les histoires inutiles. Mabitu ya sipo na maana. Vous devez abandonner cela. Kuacha ile mabitu yote. Ne copiez pas le monde. Fuatirishe dunia. Laissez le monde. Mwache dunia. Quand nous sommes pèlerins étrangers. Wani sisi ni wasafiri wageni. Ce monde n'est pas pour nous. Hii dunia haina kwetu. Nous avons lu. Je tulisoma. Abraham dit. Tuba ambaye unasema. Chef de ce royaume. Chef wa hii ufalme. Satan lui-même. Ni shetani yeye pekee. C'est son domaine. Ni kiwanza yake hii. Et il a ses modes. Na eko na namna yake. Il a ses modèles. Eko na mifano yake. Propre à lui. Yake ye peke. Mais nous. Lakini nous je avons un modèle. Tuko na mfano. Il vient d'en haut. Ina tokea yulu. Pourquoi? Tu as nini? Nous sommes séparés. Tuisha jitenganisha. L'exode. Kutoka. Sortez. Tokeni. Séparez. Mujitenganishe. Prenez la position de la parole. Simamie ngambo ya neno. Honorez Dieu de votre vie. Mheshimie Mungu mu maisha yenu. Pour lui montrer. Kwa ajili ya kumuonesha. Que réellement tu es dans l'exode. Kweli kweli uko mkutoka. L'esprit de Dieu qui est en vous. Roho ya Mungu ile ndani yenu. C'est un esprit éternel. Ni roho ya milele. Ça te conduira. Itakuongoza. So possible. Mu maji ya salama. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Kwa nini shi hatuna zehebu? 27 septembre 1958. Ya le 27 septembre 58. Paragraphe 232. Kifungu yake ya 232. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Kwa nini hatuko zehebu? Paragraphe 232. Kifungu yake ya 1258. Vous. Nini? Vous êtes un élément de temps. Muko watu wa muda wa wakati. Et la seule chose qui est éternelle. Na kitu moja ile ya milele. C'est celle qui n'a ni commencement ni fin. Ni kitu ile aina wala na mwanzo wala na mwisho. Tout ce qui est éternel. Yote ile ya milele. N'a jamais eu de commencement. Haijawahi kuwa na mwanzo. Et n'aura jamais de fin. Haitakuyaka na mwisho. Voyez-vous? Unaona? Ainsi. Hivi. Si vous êtes une partie de Dieu. Kama uko sehemu ya Mungu. L'esprit qui est en vous. Roho ile iko ndani yako. N'a jamais eu de commencement. Haijakuwaka na mwanzo. Ni n'aura jamais de fin. Haitakuwaka tena na mwisho. Si vous avez l'esprit de Dieu. Kama uko na roho ya Mungu. Vous êtes éternel. Uko wa milele. Napenda useme amina. Si vous avez l'esprit de Dieu. Kama uko na roho ya Mungu. Vous êtes uko éternel. Wa milele. Parce que l'esprit là, Kwani, n'a pas de commencement, mwanzo, et n'a pas de fin. Pia ina na mwisho. Mais le corps, mwili, c'est un élément de temps. Ni kitu ya muda. Amen. Amina. Vous êtes éternel. Uko wa milele. Et par l'esprit qui est en vous. Kupitia roho yako ile iko ndani yako. Voyez-vous? Unaona? C'est semblable à l'amour agapao. Ile inafanana na ile mapendo ya agapao. Oui, on descend l'amour philéo. Ndio kutoka kwa
mapendo ya kifileo. Et on descend l'amour des convoitises. Sasa tunakuna choka mapendo ya tamaa. Cela descend. Ile inachuka tena. Inachuka. Inachuka. En se pervertissant. Na mukutipinduza. Pour devenir finalement. Kwa ajili ya kuwa sasa kumwisho. Un tas de gâchis. Kinkunji tu ya buchafu. Eh bien. Basi. Le seul moyen. Namna moja tu. Jésus est descendu. Yesu alichuka. Cette même échelle, il est mungaji moya moya, ici bas, à Pachini, pour le relever, wajina kupandiza, ce qui était au plus bas point, il est kwa chini sana zaidi, et le ramener au plus haut point, na kuipandiza yulu sana zaidi, de la mort à la vie, kutoka kulufu kwenda kuuzima, de la maladie à la bonne santé, kutoka magonjwa kwenda kuafya njema, de l'iniquité à la justice, kutoka uzalimu kwenda kuuaki. Voyez-vous, unaona, il est passé du plus élevé, alitoka kuyayulu zaidi, au plus bas, anenda kuyachini zaidi, afin de pouvoir amener, kujila kuweza kupandiza, le plus bas, ule wachini zaidi, au plus haut point, yulu sana zaidi. Il est devenu moi, akakuya mie, afin que, chou, par sa grâce, kwa nema yake, je puisse devenir lui, nipate kuya yeye, un héritier du trône, murithi wa kiti ya enzi, dans la gloire, mutukufu. Voyez vous ce que je veux dire, unaona kile ninatafuta kusema, amen, amina. Il est devenu toi, yeye akakuya weye, je vous devenez lui, chou weye upate kuwa yeye, pour l'exode, kwa ajili ya kutoka, Jésus lui-même descend, Yesu yeye peke anachuka, avec une échelle, na mungaji, pour prendre, kwa ajili ya kuchukua, ce qui était en bas, ile ilikuwa chini, pour les amener, kuipandiza, yulu zaidi, est-ce qu'il y a des gens, eti hapa kuko batu, ce matin, asubuhi ya leo, il fait monter l'échelle de Dieu, anapenda kupanda ku mungaji ya Mungu, est-ce qu'il y a des gens ici, eti hapa kuko batu, qui veut monter le chêne? Je peine à comprendre que mon gage est. Dieu vous bénisse. Mon goût abibariki. Pourquoi le chêne est descendu? Kwa nini mon gage est chuka? Si à vie. Yes, on y en a. Nous sommes plus bas. Asema, tuko chini sana zaidi. Nous sommes dans la souffrance. Tuko mumateso. Dans le problème. Tuko mumakumu. Le chêne est descendu. Mon gage est chuka. Et cela vous élève. Mon gage est kupandize. Celui qui veut vous ramener. Yes, mon gage est peine à kukupandiza. Avec qui t'es le terre de terre. Unapasha maisha ya chini. Satan doit te lâcher. Satan y anapasha kukwachiria. Unapasha kupanda kumungaji, unapasha kwenda yulu sana zaidi. Bikelekele, bikelekele. Kwa ajili ya kwenda yulu sana zaidi. Mimi napenda mungazi. Napenda pia mungazi. Kumungazi. Njoo pate kwenda yulu sana zaidi. Kwani yeye mwenyewe yuko yulu zaidi. Amen. Amina. Alishusha mungazi yake. Kwa ajili ya kutuchukua. Sheba chini zaidi. Kwa ajili ya kutupeleka kule yulu sana zaidi. Aifanye. Nayo naifanya ni Yesu yeye pekee. Maintenant regardez. Ça, ça t'amène. Tout là-bas. Yote kule. Avant que ce monde ne commence. Mbele ya hii dunia yaanze. Par ces atomes-là. Kupitia le machembe chembe ile. Et Dieu voyait ce qui allait arriver. Na wakati Mungu alikuwa akiona ile pasha kufika. À ce moment-là. Mwile wakati. Il vous a vu. Alikuona. Il m'a vu. Aliniona. Il a vu chaque pouce. Aliona kila chaque mouche. Kila inzi. Chaque grenouille. Aliona kila kiula. Chaque moustique. Kila il a vu. Aliona. À ce moment-là. Mwile wakati ile. Tout ce qui serait un jour. Yote ile takuwa kwa siku moja. Sur la terre. Pa dunia. Assurément. Akika. Mais ce qui est important. Kwa lakini kia lazima. Que Dieu t'avait vu. Kusema Mungu alikuonaka. Amen. Amina. Le wasafiri sont les gens que Dieu avait. Wale Mungu alifanyaka nini? C'est comme ça que quand Dieu a demandé à Job. Job wakati Mungu aluliza Yobo. J'ai vu trop de discours. Asema mimi naona maneno ya mingi mingi. Ba mingi banasema. Barafiki yako banasema izuru nini? Mimi huyu ninachuka. Yobo shimama. Comme prophète. Nabii wako. Ale chukua msipi. Voilà msipi. Je t'instruirai. Nitaanza kukuuliza. Na wewe utaanza kunijibu. Sikia sasa swali yangu. Wewe Yobo ulikuwa wapi? Quand? Pale. Je fondais la terre. Mimi nilikuwa natunga dunia.
Yobu alikuwa kuima pale. Mwili ilikuwa ya kukonda. Magonjwa ilikuwa isha kurarua mwili yake yote. Na alikuwa pale. Yego natazama. Savile nabi. La vision est apparue. Ono ikatokelea mbele yake. Na akamjibu Mungu. Kule mwanzo. Avant que tu sois Elohim. Mbele wewe ukuwa Elohim. J'étais avec toi. Mie nilikuwa pamoja na wewe. Wakati kunatia misingi ya dunia. Wakati kupenda kufanya kitu fulani. J'étais avec toi. Nilikuwa pamoja na wewe. Amen. Amina. Yobu anasema. Wakati manyota za asubuhi. Ilikuwa kitoa Malachi 4. Malachi 4.
Il était là-bas. Alikuwa pale. Il
avait parlé à Dieu. Na alezeka Mungu. Il avait la foi. Alikuwa na imani. Il savait où il se tenait. Alijua nafasi ya kwa chashimamia. Il veut que moi je t'obéisse. Unapenda mimi nikutii? Répliqua Pharaon. Pharaon akajibu. Sors d'ici. Toka hapa. Je te montrerai. Takonesha. Amen. Amina. Branham dit. Branham asema. C'était la plus grave erreur. Ilikuwa ni kosa kubwa. Que Pharaon avait commis. Ile Pharaon alifanya. Quand il a blâmé Moïse. Wakati ile alimfokea Musa. Il croyait avoir blâmé Moïse. Aliwaza sema nafokea Musa. Il avait blâmé Dieu. Wakati alifokea Mungu. Mais c'était la plus grave erreur. Ilikuwa ni kosa kubwa. Sors d'ici. Toka hapa. Il gronde Dieu. Alikuwa nafokea Mungu. Son créateur. Mumbaji wake. Moïse le regarda. Musa namtazama. Comme un prophète. Sabile nabii. Il a déjà vu sa fin. Alishaona mwisho yake. Il savait. Alikuwa anajua. Là où Pharaon va se limiter. Pale Pharaon nguvu itamwishia. Je te montrerai. Takuonesha. Et il demande encore. Nakauliza tena. Montre-moi un signe. Unionyeshe alama. Si réellement c'est Dieu qui t'a envoyé. Kama ni bia kweli Mungu ndio alikutuma. Il a jeté la verge par la terre. Akatuma gongo chini. Elle est devenue un serpent. Na gongo ile kakuwa nyoka. Oh! Eh! Alisema Pharaon akacheka. Ce n'est qu'un tour facile de magicien. Ici ni sintu makashi tulogo twa bachawi. Venez ici. Alikuyani huku. Un instant. Ongoja kinoko. Venez ici. Kujani huku. Jeunesse et jambres. Jeunesse na jambres. Jetez vos verges. Na mwe mutupe bakoni zenu chini pale. Il les jeta par terre. Akaitupa pale chini. Elle devait. Na bakoni zile zikakuwa manyoka. Il a dit. Akasema. Sasa. Toi. We. Être personnage. Montu wa ovyo. Tu viens ici vers moi. Unakuja hapa mbele yangu. Un Égyptien. Mwana Misri. Pharaon wa Misri. Tu viens ici. Na unakuja hapa. Avec quelqu'un. Na wewe wa chache. Facile de magicien. Na tuma mambo yako twa uchawi tuloko tuloko. Ta super chérie. Ile mabitu yako ya mablozi blozi ya mauchawi. Vous savez, unajua, comme la lecture de pensée, savile usomi wa mawazo. Vous savez ce que je veux dire? J'espère que vous lisez. Nafikiri kwamba mnasoma. La télépathie mentale. Kusoma kwa akili ya mtu. Quelque chose comme cela. Wala kitu mwaki anamuna vile. Voyez. Unaona? Oui. Ndio. Tu viens ici. Unatokelea hapa. Avec des choses comme ça. Na tumabitu twa vile. Il a dit. Akasema. Eh bien. Basi. Nous pouvons faire la même chose. Nache tunaweza kufanya tubintu tule unafanya. Qu'a fait Moïse? Sasa Musa alifanyaka nini? Il n'a pas dit. Akusema. Moïse a gardé la patience. Musa kabakia mvumlivu. Tout ce que Pharaon disait. Yote bile Pharaon kwa nasema. Moïse a resté calme. Musa alibakia tu mtulivu. En train seulement d'observer. Eo tu na natazama. Il a gardé le silence. Alibakia tu kimia. Il a resté tranquille. Alibakia kimia. Frère Branham dit amen. Baba sema amina. Il est resté bien là. Alibakia tu pale. Dieu a dit. Mungu alisema. Il n'y avait point de doute dans son cœur. Akukwaka shaka mumoyo yake. Reste tranquille. Bakia mtulivu. Je te montrerai quelque chose. Nakonesha kitu moja. Si c'est Dieu qui a dit. Kama ni Mungu ndio alisema. Satan va faire quoi? Hata kama shetani atafanya nini? Reste tranquille. Bakia mtulivu. Croyez que la chose va arriver. Amini kwamba ile kitu itafika. Moïse reste tranquille. Musa alibakia mtulivu. En train de le regarder. Ego tunamtazama. Et il savait que la parole de Dieu asema neno ya Mungu va s'accomplir. Itatimizika. Quand vous avez fait exactement wakati unafanya ile kabisa kabisa ce qu'il a dit de faire ile alikueleza ufanye et qu'il vous semble que na inonekana ya kwamba cela mal est tourné ile napinduka mubaya restez bakia tu mtulivu. On peut vous déclarer. Banaza kusema. Entre. Oh. Tu es complètement guéri. Rudia unapona kabisa. Pendant que vous partez. Bela wakururia. La maladie s'est augmentée. Unashika sa magonjwa inaongezeka tena. Reste tranquille. Bakia mtulivu. Croyez que je suis guéri. Amini ya kwamba ulishapona. Est-ce qu'il y a de John Rian ici? Hapa kuko ba John Rian. Chi John. Sema, ainsi dit le Seigneur. Bwana anasema hivi. Tes yeux sont ouverts. Mecho yako inafunguka. Allez. Wende. Et John Baptiste. Na John alienda. Aveugle toujours. Eko paka kipofu. Pendant. Muma. Trois semaines. Wiki tatu.
Na ila continue kwa lakini aliendelea tu na kushuhudia. Mission spéciale. Oh, habari mpya. J'étais aveugle. Yeye nilikuwa kipofu. Maintenant je vois. Hapa sasa niko naona. Il arrive ici. Anafika huku. Mission habari mpya. Je rencontrais William Branham. Nilikutanishana na William Branham. Aliniombea. Alinielezea. Hivi Bwana anasema. Macho yako yanafunguka wazi. Nilikuwa na kipofu. Hapa sasa niko naona. Eko paka kipofu. Et le moqueur se sont moqués. Naba kumchekelea, bali mchekelea. Kwa lakini kumwisho adote. C'était la parole de Dieu. Kwaka ni neno ya Mungu. Cela est arrivé. Ile kafika. Na Jonah akaona. Restez tranquille. Batieni batulivu. Croyez la parole. Ni neno. Et Dieu l'accomplit. Na Mungu ataitimiza. Parce qu'il est Dieu. Kwani yeye ni Mungu. Oh merci Seigneur. Eh hey, asante Bwana. Soyez patient. Kama simamu kweni wavumilivu. Moïse a dit. Musa alisema. Unajua? Lorsque j'ai été placé sur ce fondement. Wakati nilitiliwa pa hii msingi. Il y avait de la patience. Kulikuwa kwa uvumilivu. Il avait été placé là. Ile ilitiliwa pale. Je vais donc attendre. Basi nitasubiri. Et voir ce que Dieu fera. Na kuona kile Mungu atafanya. Amen. Amina. Ce vieux serpent. Bale banyoka bazamani. Était là. Balikuwa pale. Rampant de partout. Mukutambala tambala pale pote. Soufflant. Et sifflant. Mukupumza na mkupika frimi. L'un à l'autre. Kwa moja kwa mwingine. Utaku. Mara moja. Vous savez. Unajua. Le serpent de Moïse. Ule nyoka wa Musa. Venu. Akakuya. Gop, gop, gop. Akameza, kameza, kameza. Et il les a tous engloutis. Na alibameza bote. Il avait de la patience. Alikuwa kana uvumilivu. Ceux qui s'attendent à l'éternel. Wale wanachongoja kwa milele. Tisha nguvu zao. Hallelujah. Hallelujah. Eye la patience. Ukwe na uvumilivu. Dans la pyramide. Mu piramide. Il y a la patience. Uvumilivu. Jema. Mungu anapendana. La patience. Uvumilivu. Même si les jours sont sombres. Hata kama mashiku uko ngiza. Hata kama wakati inakuwa ya ngufu. Hata kama watu wako na kucheka. L'obscurité. Na ngiza. Tu ne peux pas voir ta main. Inakushibilia uwezi kuona mkono yako. Ayez la patience. Kuwa tu na uvumilivu. La parole dit. Kwani neno nasema. Uko mtu. Ule anaweza kuwakisha nuru. Amina. Ils se lèveront avec des ailes. Batasimama na mabao. Comme un aigle. Savile tai. Est-ce vrai? Eti ni kweli? Voyez. Unaona? Ils courront. Batakimbia. Et ne se fatigueront pas. Na abata choka. Ils marcheront. Batatembea. Et ne se lasseront point. Na abata choka. Voyez-vous? Munaona? Attendez-vous simplement au Seigneur. Mujongoje tu kwa Bwana. Ayez la patience. Mukuyeni na uvumilivu. Voyez? Munaona? Amen. Amina. Moïse n'a pas dit. Musa kusema. Il y a déjà trois serpents. Sasa hivi banyoka banakuwa batatu hapa. Ne devrait paniquer. Atapasha kuongopa. Wala kukimbia. Kusema yeye Mungu akunyonyesha sema bitakuwa hivi. Le même serpent. Ule bae banyoka bamwa bale. Pharaon. Pharaon a commencé à se moquer de Moïse. Akaanza kumcheka Musa. L'arrogance est levée. Kiburi kia yulu. Qui est l'Éternel? Wewe ni nani hapa? Tu peux amener quelque chose? Wewe ni nani tatuma tuma magie tuma uchawi wa chini chini hapa? Wewe unaona sema ni nini hii? Hii Johnny ni hii. C'est un tour facile de magie. Tu uchawi tu wa chini chini. Tu diras que c'est ça. Na Johnny atakuwa sema njoo alama hii. Ni Johnny Mungu wako alikutuma hapa. Toi, wewe un esclave. Ah mtumwa. Wacha Ibrani atoka hapa. Je te verrai. Siku nitakuona. Ça se finira pour toi. Nitakumaliza wewe. Moïse, Musa, n'a pas paniqué. Akuongopa. Il est resté. Alibakia tu mtulivu. Il était bien placé. Na darubini ashaditia mzuri kabisa. Mecho iko nangaia tu kuneno. Imani iliongezeka. Alijua. Il avait raconté. Asema alikutanishana. Na kuzo ya moto. Et il savait là où il s'est. Na alijua fasi ya kwa shashimania. Et il a la patience. Na alikuwa na uvumilivu.
Et quand Pharaon a terminé, na wakati Pharaon alimaliza, ile maneno yake yote ya buchafu, le serpent banyoka a commencé à secouer. Nyoka kaanza kutekateka. Ils étaient en train de siffler. Balikuwa anapiga piga mafrimbi pale. Et quand il a regardé Moïse, wakati alitazama Musa, c'était déjà fini. Ah, ilikuwa shakuisha. Dieu lui a donné l'ordre. Mungu alikuwa shamupa amri. Anza kubameza. Prend le premier. Anabeba nyoka wa kwanza. Il le gobe. Anamumeza. Le deuxième. Anabeba wa pili. Il le gobe. Anameza. C'était fini. Ah, kunaisha. Amen. Amina. Pharaon est resté là. Pharaon anabakia pale. Il voit ce serpent. Anaona banyoka bake wanabararua. Le frère Branham dit, Nanuba masema, dès ce moment, tangia pale, l'Egypte a perdu son Dieu. Misri ikapoteza Mungu wake. Hallelujah. Hallelujah. Oh, c'est merveilleux. Hey, niabastadiabu. Nous avons un Dieu réel. Tuko na Mungu wa biakweli. Ceux qui s'attendent à l'éternel. Eba na jongo jako milele. Renouveleront leur force. Batazidisha nguvu zao. Gardez la patience. Muchunge uvumilivu. Attendez-vous à Dieu. Mujongoje kwa Mungu. Ce que Dieu a fait comme promesse. Kile Mungu alifanya malako. Vous l'aurez. Utakipata. Parce que c'est la parole de Dieu. Kwani ni neno ya Mungu. La patience. Uvumilivu. Est une vertu capitale. Fazili ya lazima zaidi. Amen. Amina. Ne dites pas. Usiseme. Dieu m'a oublié. Mungu ananisabwa. Je n'irai pas à cette église. Oh, mistenda kwenye kanisa. Kunaisha. Pourquoi ça? Tu as nini mambo? Arrêtez de paroles vulgaires. Acheni maneno ya ovyo. Gardez les yeux braqués sur la promesse. Chunga mecho yako kwenye tazama la lako. Ayez la patience. Kuya na uvumilivu. Attendez-vous à l'éternel. Chongojee kwa wa milele. Amen. Dieu, Mungu reste fidèle. Anabakia mwaminifu. Dans sa promesse. Ndani ya malako yake. Pharaon. Pharaon. Laisse aller mon père. Acha taifa yangu itoke yende. Qui est l'Éternel? Wa milele njo nani hapa? Pour que j'obéisse. Njo ni muti. Moïse lui dit. Musa anamuelezea. Je suis venu. Mie mina tokea. Comme représentant. Mina kuya hapa sa vile musimamizi. De Dieu. Wa Mungu. Pour libérer ce peuple. Njo wachilie hii taifa. Peu importe la ruse de Satan. Aizuru bujanja wa shetani. Il te lâchera. Shetani atakuacha paka. Il doit lâcher. Paka atakuacha. C'est un devoir. Ni mapashwa kabisa. Toi. Oui. Lâcher. Anapashwa kuacha. On ne peut pas négocier avec Satan. Hakuna mambo kwanza kubembelesha shetani haina hako. On ne peut pas négocier. Hatuwezi kwanza kumbembelesha. Son problème. Mambo yake. On doit le chasser. Ni unapasha kumuandama. C'est une personne qui a des mains sales. Ni mtu wa mikono wa buchafu shetani ule. Non, on a besoin de lui. Atuna naye lazima. La porte du cœur. Mulango ya moyo. Le 28 novembre 1959. Ya mtare ya 28 mwezi wa 11 mwaka wa 59. Paragraph 60. Kifungu ya 60. La porte du cœur. Le 28 novembre. Mulango ya moyo tare ya 28 mwezi wa 11 mwaka 59 kifungu ya 60. Seigneur Dieu. Bwana Mungu. Au nom de Jésus-Christ. Ujina Yesu Kristo. Dont la présence est ici. Ule uwepo wake iko hapa. Accorde la guérison à chaque personne. Leta uponaji kwa kila mtu. Que ce mouchoir représente. Ile sho inamaanisha. Et chaque personne. Na kila mtu. À qui on a imposé la main. Ule balitilia mkono. Et le Saint-Esprit vient. O mtakatifu akuje. Avec une telle puissance. Na uwezo kubwa hivi. Il ouvrira les yeux. Atafungula mecho. Avec cette huile chaude. Na hii mafuta ya moto. Du Saint-Esprit qui coule. Ya Roho Mtakatifu ile kunatiririka. Et qu'il guérira complètement tous ces gens. Ataponesha kwa ukamili kabisa hao watu wote. Ukubali Bwana. Exauce ma prière. Jibu maombi yangu. Alors que je prie pour eux. Ile wakati mimi nabaombea. Et chasse
chaque puissance na fukiza kila pepo demoni yake d'incrédulité ya shetani ya kutokuamini le diable shetani qui cherche à les retenir ule unatafuta kubafunga et à les faire douter na kubapeleka bashakia satan shetani sorte toka ndani yao no de jesus mujina ya yesu quitte le toka ndani yao sorte ondoka ndani yao lasa lasa Jean wacha wa watu wende haleluya haleluya c'est la prière de Frère Branham ombi ya ndugu Branham pour le peuple divin wa taifa ya dunia ce matin na asubuhi ya leo cette prière ima a la même efficacité iko na nguvu moja moja est-ce que vous croyez la prière de Frère Branham ombi ya ndugu Branham est-ce que vous croyez et tu n'as Si tu es malade, soyez guéri. Bona. Peu importe la maladie. C'est William Branham qui a prié. William Branham Jaliomba. Alléluia. Alléluia. Et Satan. Na Satan. Doit sortir. Anapasha kutoka. De chaque corps maintenant. Ndani ya kila mwili hapa sasa. Et il doit vous laisser aller. Anapasha kumiacha mwende. Acclamez pour le Seigneur. Kele kele kwa ajili ya Bwana. Anapasha kumiachilia mwende. Oh, c'est merveilleux. Oh, ni amastajabu. C'est merveilleux. Ni amastajabu. Napendaka kama Branham unaomba. Anasemaka na mamlaka yote. Anasema Bwana. Anasema jibu maombi yangu. Anasema toka shetani. Toka ndani yao. Kwa jina la Yesu. Kitle. Ondoka ndani yao. Toka ndani yao. Lese alese. Acha wa watu waende. Salemo pa. Acha taifa yangu iende. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Taifa ya Mungu. Commencez à marcher. Mwanze mwendo. Commencez le voyage. Mwanze safari. Commencez l'exode. Mwanze kutoka. Est-ce que Satan vous a lâché? Shetani anapasha kumiacha. Nous condamnons Satan. Tunamhukumu Shetani. Il doit vous lâcher. Anapasha kumiacha. Hallelujah. Hallelujah. Et vous laissez libre. Na kumiachilia mkuwe huru. Oh, gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Merci pour l'avenir de William Branham. Asante kwa ajili ya ujio wa William Branham. Quelle prière d'autorité. Maombi gani yenye mamlaka. Laissez-les aller. Acha waende. Laissez-les mon père. Acha taifa yangu yende. Laissez-les ces gens. Acha watu waende. Na Abraham asema shetani bana kuwina. Dite Satan tie vainki. Sema shetani bana kuwina. Tie vainki. Bana kuwina. Tie vainki. Bana kuwina. Croyez-le. Amini ile. Il est vainki. Bana muwina. Est exposé. Wewe tunakutosha peupe. Ina pas de droit légaux. Hauna tena na haki hapa. Je veux que les fils de Branham vous réjouissent. Ina penda ndiko Branham kufurahishe. Branham qui parle. Branham jeune. Chaque Branham. Wewe unafurahi wakati Branham anasema. Chaque qui peut vous réjouir. Hakuna kitu kinaweza kufurahisha. Kuta la parole de William Branham. Sikia sauti ya William Branham. Je veux voir les gens se réjouir. Ina kuona watu wafurahi. Branham qui parle. Nini ngine naweza kufurahisha? Amen. Amina. Si c'est pas la parole de Dieu. Ni kama tu haina neno ya Mungu. Satan n'a pas de droit légaux. Shetani hana tena na haki hapa. Nous nous tenons. Na tunashimama. Comme serviteurs de Christ. Sa vile batumishi ya Kristo. Et nous t'ordonnons. Na tunakupa ruhusa. De quitter ces gens. Toke ndani hapa basi. Et de partir. Wende. C'est le peuple de Dieu. Ni taifa ya Mungu. Alléluia. Alléluia. Taifa ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Cela vient. Ile nakuya. D'être dit par la révélation. Paka vile lesa ukombozi. Ce matin. Asubuhi ya leo. Qu'il cherche. A eba natafuta. A faire traverser la mer. Kuvuka bahari. La mer rouge au peuple. Bahari mwekunda wa taifa. Et maintenant. Na hapa sasa. Ils vont vers la terre promise. Bebe naenda kuile bulongo ya Malako. Il ne peut pas. Awezi tu ne peux plus awezi tena le faire obstacle ya njia haleluya haleluya chaque obstacle de satan ile kikwazo shetani il est
kusha kubakia wazi. Hallelujah. Pada obstacle. Hakuna tena kikwazo. Pada ambuscade. Hakuna kikwazo. Dieu. Wewe. Tu as éclairé ton chemin. Mungu anapasha kuangazia njia yako. Hallelujah. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Eh, hey, asante Bwana. Gloire sarondia solo. Sifa imrudiririe. Satan tu dois les relaisser. Shetani unapasha kubacha. Fabranam dit. Ndio baba anasema. Ne peut plus leur faire obstacle. Hauwezi tena kubafungia njia. Sorte! Toka ndani yao. Jina la Yesu Kristo. Oh la la. Eh mai. Satan est royaume. Shetani na ufalme yake. Na ufalme yake. Ce démon. Bampepo yake. Dans la prédication la foi de Marie. Mumahubiri ile imani ya Maria. Dans la prédication un drôle de personnage. Wala katika mahubiri mtu wa ovyo. Tuko Abraham anasema. Chaque maladie. Kila magonjwa. Chaque difficulté. Kila matatizo. Ce démon. Ni mpepo. Appendicite. Appendicite. Ce démon. Ni mpepo mchafu. Kwani kule mwanzo haukuwa kama apandisite. Erni ni mpepo. Fibrom ni mpepo. Maumivu ya kichwa ni mpepo. Rimatisme ni mpepo. Ele maumivu ya mtumbo ni mpepo. Imetesha maroho ya makabila mpaka mpepo. Maumivu ya mecho ni mpepo. Yote vile ni ufalme ya shetani. Abraham yeye il donne l'ordre. Analeta mpango. Toi Satan. Anasema wewe shetani. Na mapepo. Ondoka ndani ya babatu. Ondoka jina la Yesu Kristo. Je déclare Satan. Mina anasema mina mwambie sasa. Mtoke. Libère ce peuple. Achilia hii taifa. Le peuple de Dieu. Ni taifa ya Mungu. Laisse-le mon peuple. Achilia taifa yangu yeye. Oh gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Est-ce que vous aimez cela? Eti mnapenda hii? Satan doit vous lâcher. Shetani anapasha kumiachilia. Commencez l'exode. Kwa ajili ya kuanza kutoka. L'exode doit être sérieux. Kutoka napasha kwa heshima kabisa. L'exode calme. Kutoka kwa utulivu. Nous marchons avec Dieu. Kule tunatembea pamoja na Mungu. Nguzo ya moto. Le prophète. Nabii. El ange. Na malaika. Amen. Ouais. Ndio. Merci. Aksanti. Oh merci. Eh aksanti. Et Frère Branham dit. Na nduba anasema. Il dit que ça y est maintenant. Anasema inafika sasa. Il dit ça y est maintenant. Anasema inafika sasa. Amen. Amina. Maintenant. Sasa. Recevez cela. Mupokee ile. Ndake cela sur vous. Wakati ile ko juu yenu. Usimame mweboro. Lui la gloire. Mumrudishie utukufu. Musimame mweboro. Lui la gloire. Mumrudishie utukufu. Mushimameni. Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Sasa ni ile. Simameni. Kila mmoja wenu. Simameni. Mumrudishie utukufu. Ile njotawa inanifungula macho. Musimameni. Mumrudishie utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Inafika. Sasa ile. Puissance ya Mungu. Guérison des malades. Meji ya magonjwa. Salut de perdu. Kofi ya waliopotea. Yote ile. Mukana hapa sasa. Recevez la puissance. Uwezo. Recevez la salive. Mukana kofu. Que la puissance de Dieu. Uwezo ya Mungu. Entre dans vos corps. Ipate kuingia mumili zenu. Il est ici maintenant. Eko hapa hapa sasa. Quel est ton problème ce matin? Mambo yako ni nini? Quel est ton besoin? Mambo yako ni nini? Ce matin. Asubuhi ya leo. Est ici. Mungu eko hapa. Dieu de l'exode. Na Mungu akutoka. Pour vous donner ça. Ajili ya kukupatia ile. Écoutez Branham. Sikia sikia Branham. Restez debout. Sikia bakia bwima. Restez debout. Bakia bwima. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Envoyé. Alituma. La puissance. Uwezo yake. Il s'est assis. Ui kanisa. Il est ici maintenant. Hapa hapa sasa. Et vous avez reçu cela. Pokea ile. Les yeux
sont maintenant ouverts. Chope sasa iko wazi. Arrivez-vous. Mwafikia. Avoir sa présence. Kuona uwepo wake. Est-ce que vous voyez sa présence? Etiko naona uwepo wake. Croyez qu'il est ici. Mwamini ya kwamba yuko hapa. Dieu vous donne. Mungu amipatie. Le désir de vos cœurs. Nia ya mioyo zenu. Acclamez pour le Seigneur. Bikelekele, bikelekele, bikelekele. Salut mon peuple. Ajili ya taifa yangu. Salut mon peuple. Ajili ya taifa yangu yende. Peuple de Dieu. Taifa ya Mungu. La marche. Inapesha kwenda. Avec la liberté. Na uhuru. Hallelujah. Hallelujah. Oh gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Je le crois. Mina yamini. Ce matin. Asubuhi ya leo. Quelqu'un verra Dieu. Kuko mtu ataona Mungu. Ce matin. Asubuhi ya leo. Quelqu'un racontera la main de Dieu. Kuko mtu atakutanishana na mkono ya Mungu. La gloire de l'éternel. Ukufu ya milele. Ndio sala ya kanisa. Iko kanisa hii hapa sasa hapa. Ma prière. Maombi yangu. Et que cela te touche. Ile pate kukugusa. Ile kukuguse. Cela te touche. Ile kukuguse. Cela te touche. Ile kukuguse. Que ça te touche. Ile kukuguse. Touche ta vie. Iguse maisha yako. Maintenant hapa sasa hapa. La puissance de Dieu. Uwezo ya Mungu. Pour ton exode. Kwa ajili ya kutoka kwako. Pour te laisser aller. Kwa ajili ya kukuachilia wewe. Marche avec la liberté. Utembee na uhuru. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Pousse des cris de joie. Bikelekele, bikelekele. Falme wa shetani Kwa chakua samata Inapasha kutega subu ya leo Hallelujah Hallelujah Oh, merci Seigneur Oh, aksanti buwana Merci Seigneur Aksanti buwana Sama nana di Tugu brahma na sema Nana merci sera Asema ulipokea ile Initi Anasema Arrivez-vous Eti unafikia Avoir sa présence Kuona uwepo wake Arrivez-vous avoir Eti unafikia Ce qu'il a fait pour son père Mkona kila rifanya njua Que Dieu vous bénisse Mungu amibariki Je déclare Minatangasa Chacun de vous moja wenu, qui croyait ule kwa na mimi, être guéri au nom de Jésus, ya Yesu Christo, le fils de Dieu, ule mwana wa Mungu, chaque estrope, kila wakilema, ici, ou apa, voici venir les hommes, azameni watu wanakuja, et les gens, na watu, assis dans les fauteuils, bele kuikala makinga vilema, voici venir les femmes, angalia wa mke wa kuya, na bala simama, sole qui est estrope, wale wale kwa wabilema, Bana simama marche, Na bana tembea Kwa ajili ya utukufu ya Mungu Semeni basi Papa, Baba ici, Ujeni huku Tukueni ikaunde Na utukufu kule chini si Kama unapenda kwa mini Mungu elle, Na kwenda Kukutembea Bila ile gongo Dada yangu Bwima kule Na ile gongo ile Pembeni yako Sifa kwa Mungu Simameni Simameni pali pote Mjoi ile Amini ile Takatifu Eko katikati ya watu Hallelujah 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 Beni sua sofeno Jina yake takatifu ibarikiwe Mita musifu Eta mupende ile Mushike mukono ya mutu Na mkia jirani wako Nasema Utukufu kwa Bwana 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 Ni Pentecosta C'est ça la Pentecôte. Il est Dieu Pentecôte. La Pentecôte en action. Pentecôte au pacte. Le Saint-Esprit. Omtakatifu. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a buone barikiwe. Alléluia. Alléluia. Il frappe. Anapika. Ouvrez la porte. Fukuleni milango. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a buone barikiwe. Combien nous l'aimons. Namna gani tunamupenda. Nouvelle. Mumusifu. Levons les mains maintenant. Mbizeni mikono hapa sasa. Mwurudishia utukufu Mwepote Merci Jésus Asanti Yesu Beni soit le nom du Seigneur Mwane barikiwe Gloire à Dieu Utukufu kwa Mungu Mwurusifu tu Na votre propre manière Na mulete shule Upandize mikono Mwurusifu Alleluia Alleluia Mwurusifu Pour le péché Mwana kondole chicho Mwana zambi etu Mwurusifu Mwurusifu Je te déclare guéri
maisha pona. Si tu avais un problème, kama ulikuwa na tatizo, trouve la solution. Pata suluhisho. Si tu as besoin de quoi, kama una lazima nini, Dieu te donne. Mungu akupatie hiyo. Le désir de chaque cœur, ya kila moyo, Dieu vous l'accorde. Mungu akupatie hiyo. Que Dieu bénisse. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Utukufu ya Mungu. Alléluia. Alléluia. Il est ici maintenant. Hapa, hapa, sasa, hapa. Ouvre ton cœur. Fungula moyo yako. Il va entrer. Ataingia. Afin que tu marches. A ikupate kutembea. Dans le nom de Dieu. Mungu toka kwa Mungu. Oh, merci. Eh, asante Bwana.
nguvu ndani ya damu, kuko nguvu ndani ya damu. Ndio baba anasema, avez-vous besoin de Dieu? Eti uko na lazima ya Mungu? Est-ce que quelqu'un a besoin de Dieu? Eti kuko ule bona lazima ya Mungu? Bwana amedi avancer. Ndio baba anasema karibia huku. Aimeriez-vous repentir vos péchés? Eti unapenda kutubu dhambi zako? Aimeriez-vous recevoir le Saint-Esprit? Unapenda kumpokea Roho Mtakatifu? Avancez si vous avez besoin. Karibia huku kumbele kama uko na lazima. Avancez si vous avez besoin. Karibia huku kumbele kama uko na lazima. Dieu vous bénisse. Mungu akubariki.
dans le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, Dieu de la colonne de feu, Dieu de William Branham, nous t'apprécions pour ta présence au milieu de nous et pour l'onction que tu as déversée parmi nous ce matin. Comme cela a été nos attentes, nous avons voulu que toi-même tu puisses descendre parmi nous, que tu puisses t'associer à notre adoration, que tu sois l'essentiel de cette réunion. Seigneur, nous t'avons vu, parce que dès le commencement, tu avais vu toutes choses qui allaient se passer sur la terre. C'est pourquoi ce matin, nous te disons sincèrement merci, Seigneur Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, le roi des rois. Toi, l'auteur de la parole. Toi, le consommateur de notre foi. Seigneur Jésus-Christ, tu es descendu ce matin et tu nous as dit, laissez aller mon peuple. Seigneur Jésus-Christ, alors que nous nous tenons ici, en ton nom, Seigneur Jésus, nous voulons que Satan, le diable, puisse obéir à ta parole. Tu n'es pas un garçon de course pour que nous puissions te dire ce que tu dois faire. Mais nous, nous devons faire ce que toi, tu nous as dit de faire. Et tu nous as dit qu'après avoir fait cela, nous devons être patients. Nous devons nous tenir tranquilles, sachant que toi, Dieu, tu vas accomplir quelque chose pour nous. Notre Père et notre Dieu, tu es descendu dans la puissance de la prédication de la parole. Tu as parlé à nos âmes. Seigneur, nous savons que tu es au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi tu ne pouvais pas gérer par quelqu'un d'autre. Et tu as géré par ta parole. Nous reconnaissons toute puissance à ta parole, Jésus. Tu nous as demandé de sortir au milieu d'eux. Seigneur Jésus, ce matin, nous avons écouté ta parole. Nous avons entendu ta parole, Seigneur. Et on nous a lu la prière de ton prophète. Maintenant, Jésus, nous allons associer notre foi à la foi de ton prophète et nous plaçons notre foi dans la prière de Frère Branham. Alors que nous savons que chaque prière de Frère Branham a été déjà exaucée. Seigneur, ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de William Branham, le messager du temps de la fin. Alors qu'il a prié pour chaque peuple qui doit commencer l'exode. Ce matin, Seigneur, nous te demandons, Jésus, que chaque fils de Dieu, que chaque fille de Dieu puisse commencer un exode dans sa vie. Accorde-le-nous, Seigneur. Nous n'avons pas de doute dans notre cœur. Nous sommes patients. Nous nous attendons à toi et nous voulons voir notre église commençait un exode. Nous voulons voir chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu commencer un exode dans sa vie. Selon ta parole, Seigneur, et alors que tu as inspiré ton serviteur pour nous parler d'exode, c'est parce que toi, le Dieu d'exode, tu es prêt déjà, tu es descendu jusqu'ici pour nous prendre chacun de nous et l'amener dans un exode. Dieu bien-aimé Jésus, tu as placé une échelle. Et l'échelle, c'est William Branham. C'est le message du temps de la fin pour nous prendre dans un point bas et nous amener dans un point plus haut. Accorde-le-nous, Seigneur, alors que nous prions à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, ta parole a été prêchée. Maintenant, toi-même, l'auteur de la parole, entre en scène, Jésus, et réponds à chaque prière, guéris chaque maladie. Oh Dieu, ramène les rétrogrades. Seigneur Jésus, réponds à chaque question de tes enfants. Donne la solution à nos problèmes, Père, parce que tu es un Dieu réel.
Tu es un Dieu vivant, Seigneur notre Dieu. Ta puissance se manifeste au milieu de nous, alors que cette puissance nous apporte la vie éternelle. Cette puissance nous accorde ce dont nos cœurs ont besoin. Cette puissance, oh Dieu, nous amène dans les lieux plus hauts. Cette puissance nous donne le Saint-Esprit. Cette puissance scelle nos âmes à l'intérieur avec toi-même. Jésus-Christ, notre Dieu, que l'honneur et la gloire te reviennent. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es le Dieu des paradoxes, le Dieu des miracles. Nous nous attendons à toi. Nous étions venus dans l'expectative, sachant que tu es Dieu qui répond à la prière. Alors que tu étais avec nous, que la même onction qui nous a parlé, que cette onction puisse bénir l'âme de tout un chacun de nous. En sortant d'ici, qu'aucun de nous ne soit faible, Seigneur. Tout celui qui était malade, qu'il reçoive sa guérison. Que tout celui qui est venu avec un problème, qu'il puisse retrouver la réponse et la solution à son problème. Parce que toi, tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus, pour la parole de ce matin. Merci, Seigneur Jésus, pour ton onction parmi nous. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute l'éternité. Tu connaissais ce jour. Tu avais préparé cette nourriture pour nos âmes. Seigneur Jésus, tu as conduit les choses dans ta manière, Père. Nous croyons que tu es réel, tu es vrai. Et tu nous as bénis, Seigneur, alors que nous étions dans ta présence. Reçois la gloire, l'honneur et la majesté dans le siècle des siècles. Merci, Seigneur Jésus. Merci Dieu notre Père. Vois encore une fois de plus le pasteur Prince. C'est un homme. La phrase que tu as utilisée ce matin, il est épuisé. Il a perdu la calorie. Seigneur, c'est toi qui peux restituer cela. Parce que tu es le grand Dieu. Et que tu puisses encore lui accorder des grandes inspirations pour qu'il puisse nous apporter cela. Alors que nous nous abandonnons à toi. Toi qui avais commencé avec nous, maintenant nous sommes arrivés à la fin. Bénis toutes choses en ton nom, dans le nom précieux et béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour la parole qu'il nous a donnée ce matin. Qu'il bénisse richement son serviteur, le pasteur Prince. Merci beaucoup. Pendant que les diacres sont en train de récolter l'offrande, pour ceux qui sont venus un peu en retard, nous avons annoncé le retour à la maison de fils de notre frère Richard Limengi et la sœur Marie. De se survenir hier samedi autour de 9h. Le camp est à la morgue de Akika. L'enterrement